Je suis ravi de faire ta connaissance. Moi aussi. Alors, tu as une peinture fantastique. Merci. J'ai tout de suite commencé l'huile, presque. Et là, c'est un travail maintenant à la spatule. Donc, ça me permet vraiment d'avoir, de sculpter le visage. La spatule amène une épaisseur au trait qui donne vraiment l'énergie. Enfin, j'adore les couleurs, donc les coloris sont très importants par rapport à l'émotion. Souvent, je commence par une photo. Je travaille avec des photographes. Je fais d'un trait le visage et après je reviens, je retravaille mon fond pour qu'il redonne cette force au visage aussi. Plus le trait est pur et plus la force sera là. Il y a une intensité dans tes regards qui est phénoménale. Hein. C'est vraiment les yeux qui sont importants. Ouais. J'adore. Je souhaite un super salon. C'était déjà une bonne journée hier, donc voilà. Ah bon, bah parfait. Voilà. À bientôt. Bah, à bientôt. Merci. Bonjour. Tu peux me parler de ton univers? En fait, c'est un travail de lâcher prise totale. Je travaille en méditation. Je reste dans mon atelier. Je n'ai pas de radio, je n'ai pas de télé. J'ai vraiment moi, l'intériorité. D'accord. Et toute ma quête spirituelle, ma quête... voilà. Quelle technique tu utilises? Alors là, ce que tu es en train de filmer, c'est une technique mixte d'aquarelle, gouache, encre, pastel gras, des pigments. Et sur du papier, surtout, que je fais faire à la main dans un moulin à l'ancienne. Que tu essaies d'exprimer alors? Comme les vitraux, je suis une passeur de lumière vers l'infiniment petit des cellules, vers l'infiniment grand de l'espace. Et tes influences, tu en as un petit peu? En fait, je suis de la famille de Kandinsky Miro pour diverses raisons. Il y a l'atelier, regarde, là t'as Kandinsky et Miro qui me regardent. D'accord. Et Miro me dit vas-y fonce, et Kandinsky me dit fais pas n'importe quoi. Et donc c'est un livre de ma boîte de Pandore jusqu'à l'année dernière. Bah écoute, je suis très heureuse pour la première fois d'être au Luxembourg parce que je suis Art3F depuis le début et j'avais fait une petite pause et là je suis devenue sociétaire, donc je vais faire un petit tour avec Art3F. Et le Luxembourg, c'est à part avec la galerie Christian Crozet. Bah merci à tous les deux. Bah merci, à bientôt. Alors, tu as un univers incroyable. Alors, ça, c'est de l'inox, inox polymiroir. D'accord. Alors, le processus de déformation, c'est un processus que j'ai élaboré avec 40 ans d'expérience, donc je ne pourrais pas t'en dire plus. D'accord. Après, c'est du travail de soudage, ponçage, polissage, lustrage, qui dure et qui dure et qui dure. Voilà. Tu es très dans les couleurs aussi. Hein. Ah, j'adore les couleurs, voilà. Par exemple, ici, j'ai travaillé sur le miroir et l'installation. D'accord. C'est-à-dire que derrière, dans le miroir, on a des images. Et maintenant, j'en fais des monumentales qui sont dans des parcs. Merci, Franck. Merci à vous, R3F. À bientôt. Merci. Ciao. Au revoir.